J'en appelle suivre là nous sur la télévision Caraïbe, c'est la fondation Unibank qui a fait salutation d'usage avec famille Benjamin et père Lionel Benjamin qui l'a et maman Mika Ben également présent et monsieur Mika Ben et tout là frère Ben. C'est salutation d'usage qui a fait dans un moment et tout de suite après pour une cérémonie religieuse là. Ou sur Radio Télévision Caraïbe, vous suivez en direct depuis Saint-Pierre de Pétionville et cérémonie pour rendre un dernier hommage avec Michael Benjamin, Dimika Ben. C'est un enterrement qui a fait comme nous connaissons, coutume nous en Haïti, même si nous avons enterré dans terre étrangère, eh bien, famille qui est Haïti, amis, toujours, t'as aimé suivre et funérailles. Ça a gagné un peu le monde qui n'a pas voyagé, malheureusement, pour vivre la cérémonie, ça, mais qui a pu vivre là, en Haïti, qui a participé dans la cérémonie, ça, qui a fait jeudi, mardi 15 novembre 2022.
Thank you.
Voilà, si vous avez connecté, vous avez suivi à Zio Télévision Caraïbes, nous en direct depuis l'église Saint-Pierre de Pétionville. Nous avons permis que vous suivez Funérailles Mikaben en Haïti. Et nous sommes toujours dans la partie salutation d'usagers. Et bien, c'est dans quelques minutes pour la cérémonie religieuse qui va démarrer. Donc, vous connaissez qui est révérend père qui va célébrer. Et funérailles ça, mais n'a pas informé ou en temps et en lieu de qui est ce qui révérend qui a célébré funérailles ça. Ou même qui a peine connecté ou à suivre en direct depuis commune Pétionville cérémonie ça qui a fait pour rendre un dernier hommage à Michael Benjamin Dimikaben, qui a pile autorité, qui a pile figure qu'il a, mais nous pas remarqué en pile artiste. Bien entendu, il y a tout le monde qui est très connu, des gens dans le gouvernement. Le seul monde que nous remarquons là, c'est Mires de Tabarla, qui c'est Nice Simon, nous, ouais, qui était salué, qui là, qui chita à l'arrière, qui était salué famille. Mais nous pouvons remarquer l'autre monde. Mais il y a un ancien ministre, ancien premier ministre. Monsieur Lapin qui l'a également, qui a fait salutation avec Benjamin. Et puis il y a des artistes qui passaient de présentation. Mais j'en ai espéré un pile artiste, ouais, un pile artiste dans la cérémonie ça, non pas ouais. On a cité Walt Lenny Ziwowo de Jakut Number One qui l'a. Et puis il y a l'autre artiste, nous espérons. N'a pas gagné des mounes qui a venu que n'a pas fait parler avec yo même si c'est après cérémonie ça. Alors ou même qui a bien connecté ou a suivre depuis commune Pétionville dans l'église Saint-Pierre de Pétionville funérailles Michael Benjamin Mikaben notre Mikaben monsieur ça qui était symbolisé ou bien qui était toujours gagné drapeau pays, quel que soit côté du passé, bien quitter nous en France dans un concert Karimi, côté les films performés, et tout de suite après, avec drapeau pays, il était tombé sous scène, et ça qui écoutait la vie avec artiste. On a pu permettre de suivre la cérémonie, on espère que vous-même qui n'avez pas déplacé, qui a un pile difficulté, surtout les gens qui sont dans la diaspora. Nous suivons avec un pile intérêt la cérémonie que Radio-Télévision Caraïbes a pu permettre pour vivre à travers le module qui est 22 live.
Et là, c'est Ricky Juste qui a salué Monsieur Benjamin. On aime Ricky Juste, c'est un artiste, compositeur, producteur. Bah, c'est un amour qui a une chance de travailler, souvent avec Michael Benjamin. Ricky Juste qui a salué la famille. On salue arrivé le collaborateur donc Jefferson Philogène qui est avec nous, toujours dans l'église de Saint-Pierre de Pétionville.
Thank you.
Bonjour à tous. Prière de bien vouloir éteindre vos portables ou les mettre sous silence pour ne pas déranger le cours de la célébration. Prière de bien vouloir vous mettre debout pour accueillir les célébrants en chant. Yeah.
Monseigneur l'archevêque Max de Wamézidor avait désiré ardemment se joindre de façon physique à la famille et à cette assemblée de reconstruction pour la célébration de cette Eucharistie à la mémoire de notre frère Vital. Mais souci de dernière seconde l'en a empêché. Aussi a-t-il choisi de s'adresser à la famille et à votre secrétaire à travers ce texte dont je vais mettre dans votre lecture. Chers frères et sœurs, comme un coup de foudre dans un ciel serein, la mort de Michael Benjamin Mika nous a surpris et même assommés. C'est un choc intense et brutal pour sa famille que nous saluons et dont nous admirons la foi, le courage et la bonté. Un choc intense et brutal pour nous tous, haïtiens et haïtiennes, qui déplorons le départ d'un jeune qui avait pris son envol dans la musique et qui portait passionnément la nation dans son cœur. Un choc semblable à celui de l'assassinat de Jean Baptiste, homme d'affaires et chef de parti politique. Notre présence dans cette église est la réponse à une dernière invitation de notre artiste qui nous dit, par sa présence humaine, merci d'être venu à ce rendez-vous. Profitez-en pour méditer sur le sens de votre vie. Au terme de cette célébration de l'Eucharistie, nous dirons adieu à notre ami Mika, c'est-à-dire, tu es désormais à Dieu, entièrement à Dieu. Le Seigneur l'avait confié à ses parents pour qu'il l'élève, pour qu'il l'éduque à l'amour, au respect des autres, à la citoyenneté, à l'honnêteté et à la foi. Compliment. Chère Noël et Rosine, merci à la fin de votre lieu pour accomplir votre mission de parents d'éclaireur. Le Seigneur a confié Mika à tous ceux qui ont venu sur lui pour qu'il s'éveille à la vie, à la justice et à la paix. Chaque fois qu'il a fait grandir la vie, il s'est élevé jusqu'à Dieu. Le Seigneur avait confié à son épouse pour qu'ensemble ils fassent alliance, pour qu'ils fondent une famille qui soit, selon le cœur du Créateur, comme une petite église. Compliment et merci, Madame Vanessa, d'avoir compris qu'il n'y a pas d'amour véritable sans renoncement à soi-même, sans sacrifice, sans départ, sans déchirure. Que le Seigneur te donne la grâce de venir sur Gabriel, sur Lilian et sur le bébé que tu portes. Félix, c'est-à-dire, te donner auprès d'eux le cœur battant et l'intelligence ouverte. Frères et sœurs, le Seigneur avait confié à Mika l'environnement pour qu'il entretienne le développement, l'embellisse, l'aménage. Chaque fois qu'il a travaillé de ses mains et de son intelligence, il a associé son œuvre à Dieu,
Le Seigneur lui avait confié des frères et sœurs, des compatriotes, pour qu'en se sentant solidaires d'eux, ils contribuent à l'édification d'une société juste et fraternelle, d'un pays où les droits de la personne sont reconnus et respectés. Chaque fois que l'État a prôné la justice, l'amour, le progrès, il a réalisé la parole du Christ. Heureux les artisans de paix, le royaume des cieux est à eux. Chaque fois qu'il a tendu une main secourable à quelqu'un, c'est la même Dieu qu'il saisissait. Pour tout ce qu'il a réalisé dans sa vie, nous lui disons de tout cœur félicitations et merci. Frères et sœurs, Mika retourne à Dieu, à son Père qui connaît tout de lui, ses réussites et ses échecs, son amour et ses révoltes, les souffrances et les joies qu'il a traversées, et son désir de toujours dépasser les limites de sa faiblesse. Père, le Père miséricordieux, le Père espoir n'a pas besoin d'être éternel avec les saints, avec les artistes engagés, avec les Jean-Baptiste, avec toutes les victimes de la machine infernale de l'insécurité. Quant à nous qui sommes affectés par l'absence ici de Mika, que le Seigneur nous relève de notre tristesse et nous tienne à la foi pour la résurrection. Monseigneur Marceau Marie-Claude, archevêque de Bonnet. Thank you.
source de tout amour, l'affection que tu as mise dans nos cœurs pour ton serviteur Michael Benjamin nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ce que tu sanctifies. Accorde à notre ami le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-le totalement de ce qui le retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir.
Frères et sœurs, mettons-nous debout pour acclamer la parole de Dieu en chantant. D'en parler à Michael, qui était
pas se souvenir de ce que je vais dire, mais ils étaient là à la première logique. Et moi, je vais présenter les tailleurs pour animer le show. J'avais dit, et je cite, la petite histoire raconte, on ne sait pas trop, qu'un jour, François Duvalier fixait son fils Jean-Claude et il avait dit, j'ai voulu un fils. Et j'avais dit ce jour-là à Lionel et à Ophé, tel n'est pas votre cas. En regardant votre fils, il n'était pas encore Mika, il n'était pas encore Mika, mais il était encore, n'est-ce pas, encore Mika, il a aidé. Moi, j'ai eu un objet fierté avec très content pour nous avoir gardé le discours, pour nous avoir évolué sur scène. Merci. Merci parce que vous avez accepté de dire dans le service nous-mêmes, promotion femme et de l'UDA, dans votre groupe qu'on aime, Michael, c'est mon tout. Et je me senti leur demander de définir une célébration ça, ils ont deux voix, et je suis content qu'on soit capable là, participer et non seulement pour vous, Lionel, à cause de merci, même pour Tunica, merci pour ça que vous avez fait pour nous. Merci dans notre monde, pour les artistes que vous avez accompagné, pour les talents, pour les aider dans la polyvalence. Merci pour donc que vous avez fait par vous. Il y aura encore d'autres témoignages. Et le tout, vous demandez un autre témoignage qui va être déjà. Mais au parcours, le nom considéré, qualité de monde, qui a lié. Et c'est au nom de notre foi ce matin, nous sommes là, dans cette église, pour demander au Seigneur d'accueillir.